Donc, on commence par la définition de l'énergie cinétique. Premièrement, définition, c'est quoi l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation Énergie, énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation. En translation. On commence par un exemple. Un ardo un solide en mouvement le long d'un trajet, un ardeau un akdo solide S, en mouvement le long d'un trajet A B C. On suppose que le, le solide S interpelle le point A sans vitesse initiale, donc v de A. Supposons que v de A est nul. Il va arriver le point B avec une vitesse en ce v B et Ensuite, il va arriver le point C avec une vitesse VC. Donc, on définit l'énergie cinétique, cinétique en un point. L'énergie cinétique en B. L'énergie cinétique en B, par exemple. Le globien de l'eau solide possède l'énergie cinétique en B. point B. C le point de l'énergie cinétique est égal à demi de la masse. Il y a de l'objet, quand c'est posé, a de l'objet de, de masse M en kilogramme fois la vitesse en B au carré. Donc par cette définition, on peut calculer la vitesse, on peut calculer le génie cinétique en C, donc l'énergie cinétique du solide en C, en C, qu'est-ce qui va l'énergie Cinétique en C est égal à 1 demi m v en C au carré. De même en A, on peut écrire l'énergie cinétique en A, e c en A est égal à 1 demi m la masse du solide fois la vitesse en A au carré. Bien sûr, ici, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique sera nulle. Donc en général, en général, L'énergie cinétique en emploie, l'énergie cinétique d'un solide au mouvement d'un solide en mouvement de translation, mouvement de translation, et on emploie l'énergie cinétique en M par exemple est égale à 1 demi la masse solide fois la vitesse en m au carré. On remarque que le terme est toujours positif. L'énergie fait la masse qui est positive, v au carré qui est positif, donc il est toujours supérieur ou égal à zéro. La vitesse, elle sera en mètres par seconde, toujours. La masse, elle sera en kilogrammes et l'énergie cinétique, elle sera en joules. Et c g, c'est joules. Prenons maintenant un exemple. Donc, on a un exemple. Ou un exercice. Donc, je prends l'exemple. Déjà, au juste. Voilà l'exemple. Maintenant, ce forme d'un exercice. Un corps, un corps solide de masse M est égal m est à 2 kg. Descend. Une pente d'une pente AB est égale 20 mètres aux lignes droite sans frottement, sans frottement. Le plan incliné fait l'angle alpha. Voilà l'angle alpha entre le plan horizontal et le plan incliné. Au point A, sa vitesse est nulle. Donc la première chose V de A est égale à 0. Donc si V de A est égal à 0, donc l'énergie cinétique en A est égale directement à 0. Parce que l'énergie cinétique est par Définition on A est égal à 1,5 fois la masse de l'objet fois V de A au carré, puisque V de A est nul, donc est égal à 0 parce que V de A est nul. Là, euh, à l'arrivée au point B, sa vitesse devient VB, donc un V de B est égal à 10 km par heure. La première question, dont G est égal à 10 newtons par kilogramme. la première question, on calcule l'énergie cinétique au point B. Comme application, donc l'énergie cinétique au point B est égale à demi fois la masse d'un solide, la valeur solide S, fois V de B au carré. On a dit que à V de B, ça se en mètres par seconde. Donc on a V de B est égal à 10. Kg par heure. Donc, je vais V de B, c'est simple. Là, je vais soit multiplié par 3,6 cela divisé par 3,6. Donc, on 10. Donc, sur un kilomètre c'est-à-dire, je multiplie par 10 par 3. Ça, c'est c'est 3600. secondes. Donc, je simplifie par les deux zéros ici. Les deux zéros ici, on virgule. Donc, V de B, c'est 10 divisé par 3,6 est égal à peu près c'est 2, 2,8 et l'unité c'est mètre par seconde. Maintenant, l'énergie cinétique au point B, le point qui a fait l'énergie cinétique est égal à 1,5 fois la masse, la masse c'est 2 kg, fois 2, fois 2,8 tu la puissance 2. Et je vous laisse le faire les calculs. On trouve à peu près en joules, bien sûr. Là, je peux simplifier par 2. Donc, a 7,84 joules. Voilà l'énergie cinétique l'eau solide, le point, le point B. Deuxième question, calculer l'angle alpha. Donc, pour calculer l'angle alpha, on a toujours le deuxième point le cours, de Théorème de l'énergie cinétique. Donc, passons à la deuxième question. On dirait oh, théorème de l'énergie cinétique dans le cas de la translation. Théorème, théorème de l'énergie cinétique dans le cas de mouvement translation de translation. Donc, on commence par l'énoncé de ce théorème. L'énoncé de ce théorème dans un renardon la figure, le renseignement la figure dans un référentiel galiléen dans un référence référentiel galiléen la variation la variation de l'énergie cinétique l'énergie cinétique au mouvement de translation au mouvement d'un objet là d'un objet au mouvement de translation entre deux positions A et B entre A et B est égal à de la variation donc quand on c'est la variation mathématiquement la variation de l'énergie cinétique la variation quand on a de delta delta E c lors du déplacement A tel B, l'énergie cinétique est égal à la somme, à la somme des travaux, des travaux des forces, des forces extérieures appliquées sur des forces extérieures appliquées appliqué sur l'objet s sur l'objet s donc la somme de la phrase la somme des travaux extérieurs donc est égale la somme des travaux extérieurs lors du déplacement de a à b la variation de l'énergie cinétique est un à l'énergie cinétique au point b moins l'énergie cinétique au point a, canard le point d'arrivée, l'énergie cinétique au point a, au point final, on a le point de départ, de départ est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées sur l'objet s lors du déplacement mais l A tel B. Voilà, c'est a euh, l'énoncé de théorème de l'énergie cinétique. On a l'exemple de coup, comme application qui permet de calculer le théorème de l'énergie cinétique. Il permet, il permet quelquefois de calculer le travail d'une force, le travail d'une force, l'énergie cinétique on un point. Il permet aussi de calculer la vitesse en un point. Donc, il nous demande de calculer l'angle alpha. Donc, on a dit que la vitesse V de A est nulle. V de B, on peut calculer V de B à peu près en mètres par seconde, bien sûr. À tawa, a 10 km par heure. A v de B, on a trouvé 2,8 mètres par seconde. 2,8 mètres mètres par seconde, il nous demande de calculer, de calculer alpha entre le plan le plan incliné et le plan horizontal. D'après le théorème de l'énergie cinétique, un théorème 4, on a bien sûr le mouvement de A mais B, donc le point d'arrivée ou à le point B, le point de départ ou à le point A, donc l'énergie Cinétique pour le point d'arrivée en B, moins l'énergie cinétique en A est égal Le travail, car les forces appliquées à la, à la, à la, à la, la solide, bien sûr, on a le poids, toujours, et on a, on a son frottement, donc la réaction, le plan elle sera perpendiculaire, avec, perpendiculaire à l'aide à, la, à la de le plan incliné. Voilà R forces les le travail dlp lors du déplacement de A à tel B plus le travail de R lors du déplacement de A à tel B. Or, le travail est nul parce que R est perpendiculaire à la le plan et le mouvement. Donc, l'énergie cinétique en A est nulle parce que v de A est nul donc, donc l'énergie cinétique au point b est égale le travail de le point p lors du déplacement de l'a b l'énergie cinétique au point b c'est c 1,5 m v de b au carré qui est égal maintenant le travail de le point p est que ça m g z a moins z b voilà quasiment une droite. ZA il y a dit ZA et ZB bien sûr il y a dit ZB donc ZA moins ZB c'est h la distance h donc c'est mg donc mg h pardon a ZA moins ZB elle est positive donc on a plus. Maintenant, pour calculer H, on va le sinus de alpha. Lequel est le sinus de alpha La figure. sinus de alpha, c'est H sur la distance AB. L'hypotenuse sur AB. Donc, H est égal à a, B sinus de alpha. Bien sûr, on va dire les exercices à la D. J'ai fait plusieurs exercices. On a fait le travail de le poids donc, est égal. M G H à la AB sinus de alpha donc ici 1 demi M vb au carré. Je simplifie, par, je simplifie par M. Donc on cherche alpha donc on a sinus de alpha sinus de alpha qui est égal vb B au carré sur 2 fois G fois A B voilà la formule qui permet de calculer sinus alpha. Mais le bas de sinus alpha, de alpha. Application numérique. Donc sinus alpha est égal. Bien sûr, VB, c'est 2,8 au carré. Sur 2 x 10 fois ab. Donc fois ab. ABC 20 mètres. Donc ici 20. Donc sinus alpha. D'ailleurs, sinus alpha, c'est trouve entre moins 1 et 1. C'est égal. Au niveau de bien sûr, la l'angle. Donc, le 0 et 1. Donc, maintenant, je suis une valeur supérieure à 1. J'ai trouvé 0,0196. Donc, alpha est égal sinus moins 1. Sinus moins 1 de 0,0196. Donc, on trouve... Alpha à peu près, euh, bien sûr, faites attention sur calculatrice parce qu'on doit en degrés. Alpha en degrés. J'ai trouvé à peu près 1,1 degré. Alors, bien sûr, j'ai pas pris les numéros. La valeur très petite Je peux mettre seulement AB b égal à 2 pour avoir l'alpha supérieur. Mais ce qui est important, il y a la relation. فينال ممكن لي كي بيغمي دو كالكولي الفا باغ سو كالكولي cette vidéo فيديو كان معكم الاستاذ خالد الناجي كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط ممكن تخليو لينا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم آآ أه... متنساوش تبارتاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتابعونا على قناه الناجي خليل السيونس لمزيد من الفيديوهات من الدروس ومن التمارين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته